Alors que nous sommes debout, nous voulons accueillir son serviteur. Il est de la maison. Et comme fils maison vient dans la maison, nous voulons dire merci au Seigneur. C'est l'apôtre Douglas qui conduit non pas seulement l'église CEP, la résurrection à Paris, mais aussi, non pas apôtre par nom, comme les autres aiment le titre, mais parce qu'il est, à cause du travail qu'il est en train de faire, d'implantation des églises, d'aller conduire, aller implanter par-ci, par-là, au Canada, et jusqu'à l'île Maurice, et jusqu'à en Côte d'Ivoire, un peu partout, jusqu'à dans le pays que nous ne voulons pas nommer les noms, parce que s'il ne suit pas, ici, il suit cela par YouTube, ils vont l'attraper un jour à l'aéroport. Alors, ce sont des pays, des fenêtres 10-40, où on ne nomme pas les noms. Et vous connaissez ces pays-là, ce sont les pays qui sont non à nos demi-frères. Qui sont nos demi-frères, c'est-à-dire quoi? Ils sont des fils d'Abraham, et nous sommes des fils d'Abraham. Aussi, nos demi-frères, ce sont eux qui posent problème, alors nous ne voulons pas les nommer. Nous acclamons le Seigneur pour son serviteur. Bienvenue, apôtre. Et vous rasseoir. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Bénissons ta présence, Seigneur. Bénissons ta présence, Seigneur, mon Dieu. Ce soir, au devant de ton trône, nous venons. Ce soir, au devant de ta face, nous nous tenons, Seigneur, devant Dieu, Créateur du ciel et Créateur de la terre. Toute chose a été créée par toi. Il n'y a rien de ce qui existe, existe sans toi. Tu es l'alpha, l'oméga, le commencement de tout. Laisse-moi te bénir, te glorifier. Exalter ta présence alors que tu nous as convoqués dans cette semaine. En face, nous voulons te toucher. Nous voulons te rencontrer. Nous voulons que ta main soit posée sur Seigneur, laisse que le Esprit de Dieu descende. Bien sûr, ma vie, bien sûr, un homme.
Abandonne-nous dans les eaux profondes de ta parole. Abreuve nos âmes. C'est toi la source d'eau vive, la source intarissable, la source qui ne tarit jamais. Viens nous renouveler. Nous voulons un temps de rafraîchissement spirituel. Oh, manda brada glosha rebai. For the look in the bride of Jesus. J'ai besoin de ton onction comme un simple canal pour annoncer tes oracles avec force, puissance, efficacité, autorité et vie. En étendant ta main, se produisent des signes de miracles. Confirme ta parole, toi-même, la véracité, l'authenticité de ta parole. Cette parole pure qui n'est pas mélangée et qui vient du trône de Dieu. Que nos vies ne soient plus pareilles, jamais. Et que Jésus-Christ soit glorifié. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation? Amen. Gloire au Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Ah, je suis dans la joie de me retrouver ce soir, cette semaine, ici. Quelle grâce. Merci à papa et à maman. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour nos parents? Ah, nous avons été agréablement surpris et bénis lors de leur passage à Paris. C'était just wow. Merci encore, merci papa, merci pour tout. Alors nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu. Le thème que nous allons aborder, grand thème, je parlerai sur le programme d'Abraham. Le programme d'Abraham, et aujourd'hui je vais toucher un sous-point et ensuite on évoluera. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 12, le verset 1er au verset 4. Genèse 12, le verset 1er au verset 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 17, le verset 1er. Genèse 17, le verset 1er, il est dit ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Le dernier texte que nous voulons prendre, c'est dans le livre de Hébreux, au chapitre 1er. Hébreux, au chapitre 1er, le verset 9. Il est dit ceci, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Amen. Le programme d'Abraham et le sous-thème que je nous propose ce soir s'intitule « Marche devant ma face et sois intègre ». Marche devant ma face et sois intègre. Lorsqu'on parle de programme, on parle de quoi? Un programme, définition simple, c'est comme un agenda, c'est comme un calendrier, un mode d'emploi. Il y a trois définitions que j'ai tirées ici du mot programme qui va nous aider à avoir une idée par rapport à ce que Dieu a initié dans la vie d'Abraham qui nous concerne tous. Premièrement, un programme est une suite d'actions que l'on propose d'accomplir pour arriver à un résultat. Une suite d'actions que l'on se propose d'accomplir pour arriver à un résultat. Deuxième définition, un programme, c'est un ensemble d'instructions et d'opérations
instructions et opérations qui sont destinées à être exécutées par une personne ou encore un système. Un ensemble d'instructions et d'opérations destinées à être exécutées par une personne ou encore un système. Troisième définition, un programme est un plan d'action pour atteindre une fin précise, un résultat bien déterminé. Un programme est un plan d'action pour atteindre une fin précise et un résultat bien déterminé. Dans le programme d'Abraham, nous voulons toucher quatre choses. Nous voulons voir. On va en revenir tout au long des interventions que nous aurons. Premièrement, nous voyons dans le programme d'Abraham l'appel d'Abraham. Deuxièmement, nous voyons la mission d'Abraham. Troisièmement, nous voyons les bénéfices d'Abraham. Plus loin, on parlera de l'alliance que Dieu va conclure avec Abraham. Et nous voyons aussi la responsabilité d'Abraham ou encore la conduite qu'Abraham est amenée à avoir. Ces quatre choses qui viennent d'être citées, l'appel d'Abraham, la mission d'Abraham, les bénéfices d'Abraham ainsi que la conduite d'Abraham, ces choses sont liées entre elles. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu méthodologique, Dieu est un Dieu stratégique, Dieu est un Dieu de plan, Dieu est un Dieu de vision, Dieu est un Dieu de programme, Dieu ne fait pas les choses au hasard, Dieu n'est pas il n'est pas une personne qui improvise. Dieu a une vision, Dieu a un projet, Dieu a un programme. La Bible appelle Dieu comme étant l'architecte et le constructeur de toutes choses. Donc il a une pensée, il a un concept bien précis, bien établi et il a un mode opératoire qu'il faut comprendre. Et Dieu est toujours dans sa parole. Et ce que nous voulons voir, c'est vraiment puiser dans la parole de Dieu qui vont nous aider pour nous qui sommes enfants de Dieu, enfants et fils de l'Alliance, que nous sachions comment est-ce que nous pouvons, que ce que Dieu attend de chacun d'entre nous et quel doit être notre objectif, quel est notre but, quel est notre cahier de charge sur cette terre, bien évidemment aussi dans l'au-delà. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16, verset 4, que l'Éternel a tout fait pour un but. Rien ne fait au hasard. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Il a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du jugement. C'est ce qui est écrit. Alors ici, l'exemple que nous avons pris, nous allons essayer de l'étudier un tout petit peu rapidement. Dieu va se révéler à Abraham. En réalité, dans Genèse 2, 12, pardon, c'est la deuxième fois que Dieu se révélait à Abraham. Parce que Acte nous montre que Dieu s'était d'abord révélé, s'était révélé à Abraham une première fois. Nous pouvons le lire dans Acte chapitre 7, Acte 7, versets 2 à 4. La Bible nous dit ceci. Alors qu'Étienne était devant le Sanhédrin, Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il ne s'établisse à Charan et il lui dit quitte ton pays ta famille et va dans le pays que je te montrerai et il dit il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan et de là après la mort de son père Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. En réalité, Dieu va se révéler à Abraham et Dieu va lui dire de quitter son pays, de quitter sa patrie, quitter la maison de son père qui était en Mésopotamie. C'était le pays des Chaldéens, un pays rempli d'idolâtrie, un pays rempli de prostitution aussi bien spirituelle que physique. La maison de son père, c'était une maison d'idolâtres, parce que le père d'Abraham, nous dit la Bible, était un idolâtre également. Et Dieu voulait une lignée qui soit mise à part, où il allait extraire une race à part, une race élue, une race qui devait venir accomplir ses desseins, les desseins de Dieu depuis la Genèse. Et il y avait toute une confusion.
conception à l'époque que Dieu était obligé de détruire, rappelez-vous, pas de détruire, mais de confondre le langage de ceux-là qui ont construit la tour de Babel ainsi que la ville de Babel. Babel, la tour de Babel, la ville de Babel, c'était dans le pays des Chaldéens. C'était en Mésopotamie. Quand Dieu a confondu leur langage, par la suite, Dieu se révèle à Abraham. Et Dieu lui dit, quitte ta maison, d'autres termes, quitte cet environnement idolâtre de mélange, de cacophonie, parce que Dieu n'est pas dans les mélanges. Dieu est dans la sainteté. Dieu est pur, Dieu est saint. Alléluia. Alléluia. Et voyez-vous, Abraham sort de ce milieu et la Bible dit qu'il sera, il partira de là avec son père, Terak, et ils vont arriver non dans le pays que Dieu va lui montrer. Abraham et toute sa famille vont se retrouver à Charan. Waouh! Ils se retrouvent à Charan. Ils se retrouvent là, non là où Dieu voulait qu'ils arrivent. Et quand on comprend bien ce texte, on s'aperçoit que à Charan, en fait, c'était une influence de son père Terak. Celui qui avait eu la révélation, c'était Abraham. Et de là où il était, il devait quitter pour aller. Et Actes chapitre 7, on parle clairement. Il fallait quitter Charan pour aller à Canaan. Mais eux, ils quittent Charan, plutôt le pays de Chaldée, de Chaldéens, la Mésopotamie, et ils arrivent à Charan. Alors, aide-moi à dire à ton voisin. Quel est l'endroit où tu te trouves actuellement? Pose-lui la question. Tu te trouves actuellement dans quel endroit? Il y a des gens ici, plusieurs d'entre nous, je dirais même, nous ne sommes pas là où nous devions être. Nous n'accomplissons pas ce qu'on devait accomplir. Plusieurs d'entre nous, Dieu m'a dit, nous sommes en retard. Parce que là, tant que tu n'arrives pas, tant que tu ne fais pas, tant que tu n'es pas au lieu où Dieu t'attend, ça veut dire que tu es en retard. Et ce retard est occasionné par plusieurs réalités. Terak, le père d'Abraham, son nom signifie retard. Terak signifie retard. Donc il y a des choses, il y a des gens dans nos vies qui sont là ou qui viennent à nos côtés, non pour nous aider à apprendre la vitesse que Dieu veut que nous prenions, mais plutôt pour nous retarder. Aujourd'hui, nous allons éliminer tout ce qui amène les retards dans nos vies. Non. Toi, tel que tu es là, tu devais déjà être marié depuis longtemps. Tu es en retard. On va éliminer l'esprit de retard. Tu devais déjà avoir le diplôme. Tu es en retard. On va éliminer l'esprit de retard. J'aimerais dire à quelqu'un, tu devais déjà avoir des enfants. Tu es en retard. On va enlever l'esprit de retard. Tu devais déjà voyager. Tu es encore là. On va enlever l'esprit de retard. Tu devais sortir de la maison de ton père pour avoir ta propre maison. Tu vis encore chez papa et maman. L'esprit de retard. Aujourd'hui, nous allons terrassé, renversé, détruit, brisé, tout ce qui amène le retard. Il y a des contrats que tu devais déjà signer, tu es en retard. Tu devais déjà servir Dieu, toi tel que tu es, tu devais déjà être un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un intercesseur, un prédicateur de l'évangile, mais tu es encore en retard. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le retard va je ne sais pas si je parle à quelqu'un, je dis ce soir, tu vas abattre tout esprit de retard. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Après cette réunion, il y a une accélération, il y a une vitesse, il y a une nouvelle dimension. Dieu va commencer quelque chose avec toi. Pourquoi? Parce que Terak doit mourir. Aujourd'hui, je suis venu assassiner Terak. Ah, dis à ton ami, tu dois assassiner Terak. Non. J'entends quelqu'un dire, mais la Bible dit ne tuez pas. Oui, mais tuez l'esprit de retard. Non, je ne tue pas un homme, mais je tue tout esprit derrière un homme qui veut me retarder. Non. Je veux avoir la vitesse de Dieu. Je ne veux être ni en retard, ni à l'avance. Et je t'annonce aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Terak doit mourir au nom de... Je n'ai pas entendu, au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Beaucoup sont en retard dans la vie. Beaucoup sont en retard dans les études, beaucoup sont en retard dans le ministère, beaucoup sont en retard dans les accomplissements, beaucoup sont en retard. Dieu m'a dit beaucoup sont en retard. Pourquoi? À cause de Terak. Genèse 11, 31 à 32. Genèse 11, 31 à 32, la Bible dit, Terak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham son fils. Ils
sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, ça confirme ce que je disais tout à l'heure, et ils s'y établirent. Les jours de Terah furent de 250 ans. Terah mourut à Charan. C'est quand Terah est mort à Charan, c'est là que Dieu se révèle maintenant dans Genèse 12, hein, à Abraham, en lui disant à nouveau, quitte la maison de ton père, vas-y. Donc Dieu en a parlé deux fois. Aujourd'hui, je te parle de la deuxième fois parce que Dieu t'a déjà parlé. Tu as déjà reçu la parole de Dieu. Tu as déjà reçu les promesses de Dieu. Tu as déjà reçu, n'est-ce pas, un ainsi dit l'Éternel pour ta vie. Mais il y a encore des choses qui t'ont retardé ou qui te retardent. Alors rapidement, quelles sont les choses qui amènent les retards dans nos vies? Je vais t'aider à comprendre. Parmi ces choses, j'ai noté quelques points rapidement. Les choses qui amènent les retards dans nos vies. Premièrement, c'est la rébellion. À chaque fois que tu te rebelles contre Dieu, à chaque fois que tu ne respectes pas, tu n'obéis pas, tu fais le contraire de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu te montre, cela amènera un retard dans ta vie. Plusieurs personnes sont rebelles à Dieu, rebelles à la parole de Dieu, rebelles à la révélation que Dieu leur a donnée pour leur vie. Autre chose, le manque d'écoute des paroles des hommes sages. Quelqu'un qui ne sait pas écouter les paroles des sages aura du retard dans la vie. Voilà pourquoi même en parlant des enfants, la Bible dit d'honorer son père et sa mère afin de vivre heureux, d'être vivre longtemps sur la terre et d'être heureux sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils sont en général des personnes sages qui ne veulent que le bien-être de leurs enfants, que des enfants aussi bien biologiques que spirituels qui n'écoutent pas. Oh, si vous écoutiez, votre bonheur serait encore meilleur. Si vous étiez docile, dit la parole de Dieu, vous mangerez les meilleures productions du pays. Beaucoup sont en retard parce qu'ils sont têtus. Aujourd'hui, abat la têtutesse dans ta vie. Troisième raison, pourquoi certaines personnes sont en retard dans la vie ou dans les choses, à cause de la précipitation. La précipitation dans les choses. Lorsque tu ne sais pas attendre le temps de Dieu, le go de Dieu. Je ne parle pas du cas d'Abraham. Abraham, c'était le go de Dieu, mais il a été retardé. Mais il y en a aussi, Dieu n'a rien dit. Tu es trop pressé dans la vie. Il ne faut pas être pressé, tu seras perclus de pied. Amen. Attends le go de Dieu. Attends le temps parfait. Le kairos de Dieu. Très important. Autre raison pour laquelle les personnes ont du retard dans la vie, à cause des comparaisons. Tu compares ta vie. Ta vie n'est pas à comparer avec un autre. J'ai l'habitude de dire, je peux m'inspirer des autres, mais je sais une chose, que je suis une pièce unique. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. On n'aura pas les mêmes, on n'a pas la même taille, on n'est pas né le même jour. On n'a pas les mêmes talent, le même potentiel, les mêmes capacités, les mêmes opportunités. Mais ce qui est sûr, Dieu a disposé à chacun un potentiel et des opportunités. Alors ne sois pas dans la comparaison. La comparaison, c'est ce qui amène souvent l'amertume dans le cœur. Les gens se disent, mais oui, mais pourquoi lui, pas moi? La comparaison, c'est ce qui amène souvent, je dirais, des jalousies, l'amertume, la jalousie, au point de tuer son frère, de tuer sa sœur. Les comparaisons, c'est ça qui fait que, bien évidemment, mon frère, ma sœur, tu arrives à passer à côté de la saison que Dieu a réservée pour toi. On n'a pas tous la même saison. Dieu est un Dieu des saisons. Alléluia. La saison de ton frère peut ne pas être la tienne. Attends ton temps, attends ton tour et ne sois pas dans la précipitation. Tu risques, n'est-ce pas, de passer à côté. D'autres encore sont dans retard parce qu'ils sont distraits. La distraction. Tu es concentré sur tout sauf l'essentiel. La distraction, c'est quoi? Tout vient prendre ton temps alors que tu passes à côté de ta destinée, des choses qui sont liées à ta destinée auxquelles tu dois concentrer ton énergie, ton temps, ta force, oui, ton cœur, tout ce dont tu as besoin. Pourquoi? Parce que il faut être focus, il faut être concentré. Ceux qui manquent de concentration sont souvent en retard.
D'autres encore sont en retard à cause des mauvaises relations. Les gens qui t'entourent et qui t'influencent négativement. Les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises relations. Oui, les mauvaises influences. Ça cause du retard. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Celui qui fréquente les sages devient sage. S'il y a une chose avec laquelle je ne joue pas, je veille sur mes relations. Ah oui, il y a des relations de proximité, il y a des relations lointaines. Je suis obligé d'être bien avec tout le monde, mais je ne suis pas obligé d'être ami à tout le monde. Quelqu'un me suit? J'ai le droit de saluer tout le monde. J'ai le droit d'être gentil avec tout le monde. Mais la proximité, c'est réservée à ceux et celles avec qui on a les mêmes principes, les mêmes valeurs, la même vision, le même cœur, la même motivation, les mêmes désirs, la même passion. Et on veut courir à la même vitesse parce qu'on se challenge mutuellement. Alléluia. Il y en a qui sont en retard à cause de l'environnement. Un mauvais environnement peut causer du retard. D'autres encore sont en retard à cause d'une vie désordonnée. Le désordre de ta vie t'a retardé dans la vie. Manque d'organisation. Une personne désordonnée, c'est une personne qui n'est pas organisée. C'est une personne qui n'a pas de priorité. C'est une personne qui vit au jour le jour. Non. Même quand tu n'as rien, tu dois avoir une vision, car c'est la vision qui sera le catalyseur de ta vie. Et c'est ça qui va te propulser. La vision est importante et le sérieux dans ce que tu fais. Bien-aimé, c'est très important. Sors de la vie désordonnée. Sors du désordre. Commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Sois discipliné. Si Abraham était discipliné, il n'allait pas écouter Térak. Il allait dire, Dieu m'a dit Canaan, et il allait partir à Canaan. Donc, Térak a influencé négativement Abraham. Et Abraham a eu du retard dans la vie. Et aujourd'hui, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, tu dois sortir du retard. Je disais, tu vas sortir du retard. Est-ce que quelqu'un veut accepter cette parole? Je dis aujourd'hui, tu sors du retard. Que Dieu te mette dans le couloir de ta destinée. Que le programme d'Abraham soit activé aujourd'hui. Je dis bien que le programme d'Abraham, que tu vas comprendre tout à l'heure, soit activé. Tu vas commencer à marcher au rythme de Dieu. Et tu ne seras pas jaloux de quelqu'un. Tu vas rendre grâce à Dieu avec ce que Dieu, pour ce que Dieu fait avec les autres. Mais Dieu aussi fait des choses avec toi et tu vas le célébrer. Ta vie aura du sens. Tu vas aller de l'avant, tu vas gagner du terrain, tu vas donner du goût aux gens, tu vas influencer la vie des autres, parce que c'est à ça que Dieu nous appelle, être la lumière du monde et le sel de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas donner du goût aux autres. Quand les gens vont te regarder, ils diront, non, je veux connaître le Dieu que tu pries, je veux connaître le Dieu que tu pries, parce que tu es un homme sérieux, une femme sérieuse. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit? Bizarrement, dans la Bible, il faut que certains meurent pour que tu aies la révélation. Je vais te donner un autre exemple. Ésaïe 6, 1. La Bible dit, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur le trône. Donc si Ozias n'était pas mort, il n'allait pas avoir la révélation. Je prie qu'un Ozias dans ta vie meure. Je prie que les choses qu'on a décrites la meurent aujourd'hui. Quand tu vas sortir d'ici, dis à bas le désordre. Ah oui, dis à partir d'aujourd'hui, abat la paresse, abat ces choses, abat le fait d'être là, de dépendre des autres. Dis-toi non, Dieu m'a donné aussi un cerveau, je peux faire des choses, je peux. Parce que tu dois comprendre ce que Dieu a mis en toi pour que tu rentres dans le programme d'Abraham. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit réveille ton esprit. Que le Saint-Esprit réveille un homme, qu'il réveille une femme, que tu ne sois plus en retard. J'aimerais te dire, tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Tu es venu accomplir une mission. Tu es venu pour une destinée. Dieu, tu n'es pas un produit raté de Dieu. Oh, est-ce que je peux te le dire d'une autre manière? Tu n'es pas un raté. Même si tu es né dans une famille, tu n'as pas été désiré. Le fait que tu sois né, d'ailleurs on t'appelle désiré, parce que tu as été un désiré. Les hommes t'ont un désiré, mais Dieu t'a désiré. Et si tu as été désiré par Dieu, c'est parce que tu as un but, tu as une mission à accomplir. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce soir? Est-ce que Dieu se parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Et quand tu comprends ça, tu comprends la peine. Ça va t'aider à répondre à ta mission. Je ne toucherai pas l'aspect de la mission parce que
je vais plutôt aller plus vite pour toucher vraiment le cœur, le poumon de mon message de ce soir. Après, Dieu te donne les promesses. On parlera également des promesses. Abraham a eu 7 types de promesses de la part de Dieu. On va le développer. Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Quatrièmement, je ferai de toi une source de bénédiction. Cinquièmement, il dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Alors, notez ces vérités importantes concernant le programme d'Abraham. Le programme d'Abraham est un programme de bénédiction générationnelle. Le programme d'Abraham est un programme de bénédiction générationnelle. Un agenda qui commence par la bénédiction divine. En réalité, Dieu n'a fait que rappeler à Abraham ce qu'il avait dit à Adam et Ève. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, quand Dieu a créé l'homme et la femme à son image, il va dire, la Bible dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et j'en passe. Le programme d'Abraham, c'est un programme de bénédiction. Et très souvent, la bénédiction est mal comprise. On assimile la bénédiction au bien. La bénédiction, ce n'est pas les biens. Les biens découlent de la bénédiction. La bénédiction, c'est les bonnes paroles de Dieu qui te permettent d'avancer, de progresser. Là où il y a bénédiction, il y a progrès. Là où il y a bénédiction, il y a fécondité. Dans la fécondité, il y a la prospérité. Pas dans le sens péjoratif. Hein. La prospérité, c'est-à-dire la bonne santé, la productivité. D'accord? Là où il y a bénédiction, il y a multiplication. On augmente en taille et en volume, de manière qualitative et quantitative. Il faut qu'il y ait augmentation, croissance, multiplication. Ça, ce sont les signes de la bénédiction. Et dans la bénédiction, il dit que vous devez assujettir, vous devez avoir le contrôle. Tu ne seras plus contrôlé. Ce n'est pas un esprit qui va te contrôler, c'est toi qui vas contrôler ces esprits. Si c'est le mauvais esprit, tu le chasses. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans la bénédiction, il y a le fait de dominer. Dominer, c'est gouverner. Tu es le gouverneur. Tu es la personne qui doit diriger. C'est ce que tu as établi. Et nous voyons dans le programme d'Abraham, Dieu bénit Abraham pour l'emmener en finalité à la bénédiction, plutôt à la domination, c'est-à-dire parlant du règne, parce que Christ est descendu d'Abraham. Donc on ne peut pas parler du règne de Dieu qui doit venir sur la terre sans parler et toucher l'aspect de la bénédiction qui passe par le programme que Dieu a initié par Abraham. Est-ce que tout le monde me suit? Dis avec moi, je suis béni pour dominer. Ah, déclare-le en toi, je suis béni pour dominer. Tu es béni dans les lieux célestes avec Christ. D'abord là, ça commence là. La vraie bénédiction pour toi qui est là, qui n'a jamais accepté Jésus, ce n'est pas les maisons, les voitures, l'argent. Tu dois d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur. Là, tu sais que tu es épargné de l'enfer. Tu deviens fils du royaume. Tu deviens membre du royaume des cieux, royaume de lumière. Là, tu es béni. Amen. Mais la bénédiction ne se limite pas qu'au ciel, frère. Si tu attends que le ciel, tu seras aigri. Je peux parler à quelqu'un? Oh, nous attendons seulement le ciel. Seigneur, viens nous chercher. Il viendra nous chercher. Mais avant qu'il nous cherche, tu dois aussi vivre la bénédiction sur la terre. Oh, ton amen m'embête. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. Ok, regarde ton voisin. Dis-lui, sois béni de Dieu. Non, dis-le-lui que Dieu te bénisse vraiment, vraiment, vraiment. Sois vraiment, vraiment, vraiment béni. Amen. Après ce culte, on va avoir un changement entre hier et aujourd'hui. Amen, 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 amen. Que la bénédiction commence à tourner autour de toi. Il y a des bénédictions sur la tête des justes. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dans la bénédiction de Dieu, il y a la santé. Sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Alléluia, 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 alléluia.
Oh, 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 dans la bénédiction de Dieu, tu vas avancer, tu vas progresser. J'annonce la saison de l'avancée, j'annonce la saison du progrès, j'annonce la saison de l'avancée. Non, tu ne seras plus arrêté, non, tu ne vas plus reculer, tu vas avancer. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un ici qui va avancer avec Jésus, nous avançons. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Tu vas avancer. Ça va aller. Ça va marcher. Ah, j'aime Dieu. Quand Joseph a été vendu par ses frères, il avait tout perdu. Il n'avait rien. Pas de tunique. Mais la Bible dit Dieu était avec lui. La bénédiction de Dieu, c'est quand Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, même s'il n'y a rien, la bénédiction va amener tout. Je suis en train de dire à quelqu'un, la bénédiction va amener les habits. La bénédiction va donner à manger. La bénédiction te donnera une maison. Ah, parce que c'est ça qui enrichit. Ce soir, sois enrichi. Sois enrichi. Sois enrichi. Sois enrichi de Dieu et sois enrichi de Dieu. Que Dieu t'aide à toucher ce que tu veux là. Que Dieu t'aide à toucher cela au nom de Jésus. Oh, prends-le, 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 prends-le par la foi. Prends-le, prends-le. Que tu touches au nom de Jésus. Amen, amen, amen. J'aime aussi le principe de la bénédiction. Frère, il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Il faut qu'il y ait une bénédiction entre toi. Apparemment, tu n'as rien d'éclat. Mais la bénédiction, c'est à l'intérieur. Prenez de l'eau, mélangez avec de l'huile. Les deux sont des liquides. Mélangez-les ensemble. Mélangez-le. On te met, on te laisse, on se mélange avec les païens. Donnez-moi juste un peu de temps. Un peu de temps, après avoir milkshaké, shaking de l'eau avec de l'huile, vous allez voir, il va y avoir une marque de démarcation. L'eau va rester en bas, l'eau c'est les nations païennes et l'huile va monter. Je suis venu dire à quelqu'un, toi tu as la bénédiction. Est-ce que je peux parler à mon église? Est-ce que je peux parler à mon église? J'ai dit, toi tu as la bénédiction, ça te placera au-dessus. Tu es en haut et non en bas. Tu es la tête et non la queue. Tu es le premier et non le dernier. Tu vas, alléluia. Je dis à quelqu'un, la bénédiction de Dieu va te distinguer. La bénédiction de Dieu va te qualifier. La bénédiction de Dieu va t'élever. La bénédiction de Dieu verra que tu auras la position élevée suprême parce que tu es assis avec Jésus dans le lieu céleste. Ah, je ne suis pas assis sur terre. Sur terre, tu vois mes pieds, mais ma position, c'est dans la bénédiction avec Jésus dans le lieu céleste en Christ. Amen. Le problème est lequel maintenant? C'est là où je vais chuter. C'est quoi le problème? Le problème est que pour te maintenir dans le programme d'Abraham, qui est le programme de la bénédiction, tu dois avoir une conduite adaptée. Tu dois avoir le caractère d'un enfant de Dieu. Et c'est là où beaucoup d'entre nous nous tombons. Abraham béni. Dans Genèse 13, la Bible dit Abraham était même béni financièrement. Il était très riche en argent, en or, en troupeaux. Il avait des serviteurs, des servantes. Il était extrêmement béni selon le contexte, la condition de la bénédiction à leur époque. Amen. Première des choses, vous montez cette montagne finie. Hein? Ah, papa, je fais quoi? Bon, là, vous me stressez. Papa a dit, je continue. Donc, asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous me stressez. Amen. Amen, amen. Ah, tu ne veux pas sortir avec des bénédictions, tu ne pars pas. Aujourd'hui, on va déborder. Au nom de Jésus. Mais un bon débordement, ça ne sera pas excessif. Je vais juste toucher le cœur parce que c'est très important. La bénédiction, le programme d'Abraham exige que tu marches par la foi et dans l'obéissance. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, dit la Bible, lors de sa vocation, obéit pour partir dans un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. La foi est très importante. La foi se repose et s'appuie et s'attache à la parole révélée que Dieu te donne.
Et c'est ça qui active le programme d'Abraham, le programme de bénédiction. Et nous, nous sommes fils d'Abraham par la foi. Abraham crut et Dieu l'a fait rentrer dans le programme de bénédiction. Deuxièmement, il faut l'obéissance. L'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu dois obéir, tu dois être un enfant obéissant. Et quand il y a obéissance, il y a forcément fidélité et il y a intégrité. Et vous allez voir que entre le moment où Dieu a parlé à Abraham dans Genèse 12 et Genèse 17, il s'est écoulé 24 ans. Écoutez-moi bien. Pendant cette laps de temps, le temps souvent est un ennemi pour nous. Abraham a sombré. Lui qui avait commencé par la foi, commencé par l'obéissance, Abraham va connaître trois grandes erreurs. Première grande erreur qu'Abraham commet, Abraham descend en Égypte alors qu'il y a la famine. Genèse 12, verset 10. Il y a la famine, il prend une mauvaise décision, une mauvaise résolution. Dieu ne lui a pas dit d'aller en Égypte. Lui, il est descendu à cause de ce qu'il a vu. La famine, c'est les réalités de crise, les réalités de problèmes. Ne laisse pas les réalités auxquelles tu fais face déterminer ton obéissance. Plusieurs personnes n'obéissent plus à Dieu et ils le justifient par la crise, la situation. Ah, le pays est dur, on souffre. Tu vois, tu crois, Dieu sait qu'il y a la crise, Dieu sait qu'il y a la famine. Mais tant que Dieu ne te dit pas de bouger, ne bouge pas. Ésaïe 30, versets 1 à 2. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui accumulent péché sur péché et qui descendent en Égypte pour chercher l'ombre, l'abri de l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est un système impie. Plusieurs fils d'Abraham ont trouvé refuge dans le système impie à cause de la famine, alors que le Dieu qui permet la famine, c'est aussi le Dieu qui peut pourvoir au milieu de la famine. La famine ne justifie pas. Élie vivait dans la famine, mais Dieu l'a nourri avec le pain et de l'eau. Il a envoyé des corbeaux. Quand le torrent a séché, il a envoyé chez la veuve de Sarepta. Il a fait le miracle, le pain ne manquait pas, la farine ne manquait pas, l'huile ne manquait pas. Dieu peut te nourrir même au milieu de la crise. Ne bouge pas sans un ainsi dit l'Éternel. Ne bouge pas, ne fais pas le contraire, sinon tu vas sombrer. Abraham a sombré. Deuxième erreur qu'Abraham a commise, il a menti au sujet de Sarah. Bien évidemment, lorsque tu commences à te rebeller, tous les péchés s'invitent. Et le pire des péchés, c'est le mensonge. Et le mensonge, c'est la dissimulation de la vérité. C'est le fait de camoufler une réalité qui était là. Il va dire que Sarah n'est pas sa femme. Sarah, c'est sa sœur. Bien évidemment, c'était sa demi-sœur. Mais dans le contexte, Sarah était sa femme. Parce que quand tu dis que c'est ma sœur, ça veut dire n'importe qui peut la prendre. Et comme elle était très belle, Pharaon l'a prise pour femme. Et cela a amené le jugement de Dieu dans la maison de Pharaon. Et Pharaon a découvert que Abraham avait menti. Frères, sœurs, combien vivent dans le mensonge? Le mensonge te sortira du programme d'Abraham. Plusieurs personnes n'ont pas de vraies bénédictions. Ce sont des bénédictions entre guillemets, je dirais maudites, parce que le soubassement de la bénédiction qu'il a, c'est un mensonge. Quand tu mens pour avoir de l'argent et qu'avec cet argent tu construis ta maison, ce n'est pas Dieu qui t'a béni, c'est le mensonge qui t'a donné cela. Je savais qu'il n'y aurait pas d'amen, mais je dois parler. Beaucoup vivent dans les mensonges, l'altération de la vérité. Beaucoup parmi les enfants de Dieu vivent dans l'hypocrisie. Ils font semblant, ils jouent un double jeu. Ils te sourient, mais derrière, ils te poignardent dans le dos. Abraham était devenu un hypocrite. Quand il voyait sa femme, il faisait comme si c'était sa sœur, mais ils étaient ensemble. L'hypocrisie, jouer un double jeu, faire semblant, ça tue le programme d'Abraham. C'est la tromperie. Plusieurs enfants de Dieu vivent dans la tromperie et cela détruit leur crédibilité. Frères, sœurs, le mensonge va briser la confiance que Dieu a sur toi et la confiance que les hommes ont pour toi. Il n'y a pas grand chose que d'avoir la confiance de quelqu'un. Et aujourd'hui, les gens sont prêts à tout, quitte à vendre leur dignité, à détruire la confiance. Frères, sœurs, le mensonge brise la confiance. Et je prie que tu ne sois pas parmi ces personnes qui mentent, qui ne sont plus crédibles. Dieu veut te mettre dans le programme de la crédibilité. Et troisièmement, Abraham est tombé dans le compromis avec Agar. Abraham a triché. Au lieu d'attendre la promesse, il est parti avec Agar.
Combien parmi nous vont chercher des voies détournées, des plans B? Frères, sœurs, Dieu est un Dieu d'intégrité. Dieu est un Dieu de vérité. Dieu est un Dieu pur. Et à cause de trois erreurs, Abraham a sombré. Le programme d'Abraham ne pouvait plus être activé. Voilà pourquoi Dieu, maintenant, je finis là, dans Genèse 17, se révèle à Abraham et lui dit trois choses. La première des choses que Dieu dit à Abraham, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. En d'autres termes, tu vois, quand tu es parti en Égypte, selon la famine, tu n'as pas la révélation du Dieu Tout-Puissant. Tu vois, quand tu as menti au sujet de Sarah, tu n'avais pas la révélation du Dieu Tout-Puissant. Tu vois, quand tu es tombé avec Agar pour avoir un enfant, Ismaël, qui nous cause, papa l'a dit tout à l'heure, nos cousins, nos demi-frères, qui malheureusement, voilà, ils sont ce qu'ils sont. Gloire à Dieu, merci Seigneur, amen. Gloire à Dieu, j'allais dire quelque chose, mais Jésus est Seigneur, amen. Que Dieu le bénisse, nos demi-frères. Alléluia. Et voilà la situation aujourd'hui. Dieu dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et j'aimerais te dire, si tu veux que le programme d'Abraham soit activé dans ta vie, crois Dieu comme tout. Ne doute pas de Dieu. Crois-le au mot. Prends Dieu au mot. Comme moi, je prends Dieu au mot. Dieu, tu as dit, je te rappelle, tu as dit. Et puis je lui dis, tu vois, si tu n'accomplis pas, c'est que tu es un menteur. Oh, la Bible dit, il est impossible à Dieu de mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire, quand tu dis à Dieu, je le rappelle ta mémoire, je réveille ta mémoire, je te rappelle ce que tu as dit, il est obligé de se lever et d'intervenir. Dis à Dieu, j'aimerais te dire, il est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Dieu Très-Haut, il est capable de tout. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème que tu trouves impossible, ce n'est pas impossible pour Dieu. Dieu est un Dieu aux possibilités illimitées. Et il dit à Abraham aujourd'hui, je suis le Dieu Tout-Puissant. Tout à l'heure, nous allons prier. Tu vas demander à Dieu, El Shaddai, je veux te voir. Je veux te voir dans ma situation de maladie. Je veux te voir dans la situation de mes enfants. Je veux te voir dans tel problème. Là où on a dit impossible, nous, on avait des situations compliquées. Moi, souvent, j'appelais papa, j'ai dit, papa, regarde ici, regarde ce que les autorités nous disent. C'était compliqué. Il me donnait toujours une parole. Et quand il me donne la parole, quand il parle, moi, je me mets à genoux à la maison. Pendant qu'il parle, je prie, je reçois. J'ai dit, je reçois. Bien-aimé, les mêmes personnes qui ont dit, la porte est fermée, quatre fois des refus, les mêmes viennent, ils disent, on ouvre la porte. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que tu pries a la clé de David. Quand il ouvre, personne ne fermera. Quand il ferme, personne n'ouvrira. Je dis, ce soir, que El Shaddai te visite, que El Shaddai, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir, que El Shaddai te rencontre, tu verras là-bas, tu diras comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu verras Dieu à l'œuvre, tu verras Dieu se glorifier, tu verras Dieu se manifester, tu verras Dieu ouvrir cette porte, tu verras Dieu agir, tu verras Dieu t'élever. Alors garde la révélation de El Shaddai. Dis avec moi, El Shaddai. Il est Dieu. Il ne s'explique pas. Vous savez, le miracle ne s'explique pas, ça se constate. Parce qu'il n'y a pas une formule mathématique scientifique qui explique un miracle. Tu constates seulement que tu as été cancéreux, le cancer est parti. Tu constates seulement que la maladie a disparu. Tu constates, je vais dire, bienvenue à la saison de constatation. Tu vas constater que non, la pauvreté t'a quitté. Tu vas constater, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu vas constater que tu es déjà arrivé à ce poste-là. Que El Shaddai te visite. Deuxième chose, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Pourquoi Dieu dit à Abraham de marcher devant sa face? En d'autres termes, Abraham ne marchait plus devant la face de Dieu. Lorsque tu tombes dans la rétrogradation, tu ne peux plus marcher devant la face de Dieu. La face de Dieu, c'est la présence manifeste de Dieu. La face de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et cette face, elle est sainte. Dieu est saint. Dieu a regardé Abraham. Abraham était absent. Dans le calendrier, dans le programme, Dieu regarde. Mais mon programme est où? Abraham est en retard. Le retard d'Abraham a été construit, composé par Terak, mais aussi ses propres agissements qui ont fait qu'il a eu du retard dans sa vie.
Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, lève-toi et marche devant la face de Dieu. Pour marcher devant la face de Dieu, tu dois aimer la crainte de Dieu. Ah, y a-t-il des hommes ici qui veulent craindre Dieu? Mets le péché de côté. Tu dois se sanctifier. Consacre-toi. Consacre ta vie. Consacre à Dieu ta vie. J'ai consacré à Jésus ma jeunesse. Je ne la regrette pas. Je vous assure, je ne regrette pas. Du haut de mon âge, voir ce que Dieu fait. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. J'ai dit bien, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a personne qui a cédé à Dieu quelque chose et Dieu l'a rendu à vide. Quand tu cèdes à Dieu ta vie, Dieu remplira ta vie de grâce, de faveur, de bénédiction. Je dis à quelqu'un ici, marche devant la face de Dieu. Marche devant la face de Dieu. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est celui qu'il paye. Il est le meilleur patron. Si ton patron s'est te payé à la fin du mois, il n'y a pas meilleur comme lui. Je dis, il n'y a pas meilleur comme lui. Dieu essuiera toute l'âme de tes yeux. Tu es en train de parler à quelqu'un. Il essuiera les larmes de tes yeux. Dieu te payera. Dieu payera tes enfants pour tes sacrifices, pour ce que tu as fait. Dieu se souviendra de toi. Je suis en train d'entendre dans mon cœur Dieu dire à quelqu'un, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas abandonné. Je suis fidèle. Je suis ton Dieu. Je suis ton Père. Je suis ton créateur, je suis ton époux. Marche devant ma face. Et enfin il dit, sois intègre. Parce que Abraham avait perdu l'intégrité. Si Dieu te dit sois intègre, c'est que tu n'étais plus intègre. Tu veux réactiver le programme d'Abraham? Le programme d'Abraham serait intègre, serait actif avec l'intégrité. L'intégrité, c'est la droiture. Sois un homme droit. Sois une femme droite. Même dans l'église, l'intégrité a disparu. Les hommes sont dans le mélange. Ils boitent de deux côtés. L'intégrité, c'est l'équité, l'honnêteté. Sois une personne honnête. Ne pense pas que si tu dis la vérité sur les chiffres, Dieu t'oubliera. J'ai appris à ne jamais ajouter des chiffres. Tu m'as donné autant, je fais les choses de compte. Mais je vous dis, si je vous dis ce que Dieu fait au-delà, parce que quand Dieu trouve que tu es honnête, quand Dieu trouve que tu es fidèle dans les petites choses, il te confie les grandes. C'est ça la méthodologie de Dieu. Tu veux des grandes choses, mais dans les petits, tu n'es pas fidèle. Tu veux la hauteur, la grandeur, mais là où tu es déjà, tu n'es pas fidèle. Sois intègre. L'intégrité, ce n'est pas seulement quand les gens sont là. Tu es intègre quand ta femme est là. Je voyage beaucoup. Mais Dieu connaît mon cœur. Intégrité, fidélité à ma femme, collé serré. Je lui dis encore, moi, bisous. Tu peux dormir tranquille parce que c'est en mode off lorsque tu es à l'extérieur. Tu as compris, non? Que des gens qui sont moins sérieux, que des gens qui ne sont pas intègres. Ils sont intègres devant les gens. Ils ont une apparence de piété. L'intégrité, c'est en secret, mais c'est aussi en public. Ne sois pas seulement intègre en public. Tout le monde voit, ah, tel frère, telle sœur. Non, sois intègre dans le secret. Dans le secret, ne critique personne. Dans le secret, sois un homme vrai. Sois une femme vraie. Voilà pour moi, quand j'ai quelque chose à dire, tout de suite, quand je te vois, je te le dis. Pourquoi? Parce que je ne parle pas derrière le dos de quelqu'un. J'ai appris à ne jamais parler dans le dos de quelqu'un. Si par mégarde, j'ai eu à le faire, dès que je te vois tout de suite, tu dis, tu sais d'ailleurs, je parlais de toi. Voilà ce que j'ai dit, ça. Sois intègre. L'intégrité, c'est ça qui maintient la confiance. La confiance de Dieu, mais aussi la confiance des hommes. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Pour que Dieu te bénisse, il passera par les hommes. Comment tu veux craindre Dieu que tu ne vois pas? Et tu veux dire, et ne pas craindre. Tu veux craindre les hommes et ne pas craindre Dieu qui ne voit pas. Frère, sœur, si tu veux craindre Dieu, commence à être juste, droit, sois honnête. Marche dans l'honnêteté, marche dans l'intégrité. Frère, sœur, l'intégrité, c'est ça la clé qui a élevé Abraham et l'a ramené dans le programme. Et je finis par ce texte, quand Dieu dit à son fils, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui parce que tu as aimé la justice, ou encore l'intégrité. Et tu as haï l'iniquité. L'iniquité, c'est le contraire de l'intégrité. Il dit, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ce programme d'Abraham, alors que nous sommes dans cette emphase, Dieu va te distinguer.
Frère, sœur, même si tu, en apparence tu n'as rien, n'oublie jamais une chose, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui rabaisse. Comme c'est Dieu qui élève, si tu es intègre, Dieu va te lever. Dieu n'est pas un homme, tout le monde peut t'oublier, jamais Dieu. Je prie encore que tu es intègre, que tu rentres dans le programme d'Abraham et que Dieu t'élève, que Dieu te qualifie, que Dieu te couronne de succès, de gloire et que Dieu t'amène dans le terrain que tu n'as jamais expérimenté parce que c'est un Dieu fidèle. Acclame le Seigneur et tiens-toi debout sur tes pieds. La chorale, venez maintenant, nous voulons prier. Acclame le Seigneur, acclame le bien, j'ai deux sujets de prière, continue à acclamer Dieu, dis à Dieu, je veux ce soir que tu active le programme d'Abraham, lève-toi s'il te plaît, levons-nous, tu peux prier en battant tes mains s'il te plaît, prie en battant tes mains, dis Seigneur, active le programme d'Abraham dans ma vie. Oh, je te vois en train de prier. Demande à Dieu d'activer. Dis à Dieu, j'ai foi en toi. Je te fais confiance. Dis à Dieu, je veux marcher dans ta parole. Je veux obéir à ta voix. Je veux la bénédiction de Dieu. La bénédiction spirituelle. La bénédiction physique. La bénédiction dans ma santé. La bénédiction dans ma famille. Élève ta voix. Prie. Au nom de Jésus. Dis Dieu, bénis-moi, bénis ma vie, bénis ma famille. Oh, je reviens à tes pieds. Je m'étais éloigné de ta présence. Dis à Dieu, je reviens à toi. Là où tu es, c'est là où je veux être. In a mask on the glow, for a look in the brain. In a mask on the blind. Abba, secante yama. Dis à Dieu, je m'engage à te suivre. Je m'engage à marcher derrière toi. Je m'engage à tenir ta main. Je m'engage à aller là où tu m'emmènes. Je ne veux pas être en retard. Que ma vie ne soit plus en retard. Mets-moi dans le même diapason. Mets-moi à la vitesse de l'esprit. Je vais marcher. Je vais agir dans la vitesse de Dieu. Donne-moi la vitesse de Dieu. Tous ceux qui se confient en l'Éternel, renouvelle leur force. Ce soir, renouvelle ma force spirituelle, mon énergie spirituelle, ma force physique. Renouvelle-moi, Seigneur. Crie à Dieu. Ce soir, renouvelle ma vie. Au nom de Jésus, tu vas continuer à battre tes mains. Tu vas dire à Dieu, donne-moi un cœur intègre. Je refuse d'être un tricheur. Je ne veux pas être un tricheur. Je ne veux pas être dans le mensonge. Je veux vivre dans la vérité. Commence à prier. Si tu faisais des choses de mensonge, vomis ces choses. Vomis les choses du mensonge. Vomis les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Prie. On y va. Come on. Dis à Dieu l'intégrité. Si tu avais une double vie, aujourd'hui décide d'abandonner la double vie. Si tu vivais dans la débauche, aujourd'hui arrête de décider. Décide d'arrêter plutôt. Arrête ce soir. Ce soir Dieu t'appelle. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.